Salut YouTube, et oui, bienvenue dans cette nouvelle aventure. On va commencer Super Mario Odyssey. On commence depuis le début, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai déjà joué au jeu, mais il y a longtemps. Donc du coup, c'est une redécouverte. Bon, allez, c'est parti, parce que là, Mario, il s'ennuie déjà. Notre première pièce. Eh, mon chapeau, là. Oula, une sale gueule, là, ma casquette. T'as joliment morflé, non? S'en est aussi pris un autre patelin. Il a enlevé ma petite sœur. Ma calotte n'a fait ni une ni deux. Je me suis rué vers un vaisseau pour poursuivre cette brute de monstre. Oula. Cela dit, il doit bien rester un vieux rafio encore utilisable dans le pays voisin. Je pourrais m'y rendre depuis le sommet de cette tour, mais il y a les acolytes du monstre. Ne me laisseront pas passer. Dis-moi, on est dans la même galère, toi et moi, non? On peut arriver à sauver nos deux demoiselles, oui. Peut-être comme ça. Ah, mieux. Bon, comment est-ce qu'on lance encore? Capi est maintenant votre compagnon. Comment on fait pour lancer? Essaye de me lancer. D'accord. Là. Ok. Ok, Capi, on y va. Alors. Ramassons le plus de pièces possible déjà. Qu'est-ce qu'il y a dans ces... Il y a des trucs. Ça marche, ouais. Hop là derrière, bon, on s'en doute, il y a quelque chose. Magnifique. Et là, on va toutes les faire, hein. Ok. Bon, il n'y a plus rien. Quoi? Oula, oula, il y a de l'eau. Bon, 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 allez, on continue. Qu'est-ce que ça nous dit là? Truc de voyage, lancer le chapeau maintenu. Envie de casser une pile de caisse ou de percuter un bloc de manière répétée. Maintenez Y appuyé quand vous lancez, ok. Ah oui, ok. Parfait. Thank you.
Parfait. Alors, hop. Bon, comment est-ce qu'on fait pour... Ah, voilà. Bon, j'en ai pas vraiment besoin, mais bon. Et je crois que les affiches aussi, non? Ouais, il me semblait bien. Bon. Comment je fais, là? Ah oui, ok. Alors... Ah oui, la grenouille, je me rappelle. Les mains toutes moites, c'est horrible. Morphosé en grenouille, d'accord. D'accord. C'est quoi? L plus Y, c'est plus d'un électron pour faire des super sauts. Ouais, ok. J'imagine qu'il y a des pièces cachées. Voilà. Il doit y en avoir un ici aussi. Ah bah non. Parfait. Et quand on est dans le... Oui, 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 j'ai eu peur. Mais si, faut que je prenne le cœur, ce serait les pièces. Comment je fais pour sortir Ah oui, mais attendez, y a pas quelque chose là? Si tu veux retrouver ta forme de musique, ZL, oui, d'accord. Y a rien d'autre hein. Ok. Je me rappelle comment on fait pour sauter sur sa casquette. On sait peut-être pas le faire pour le moment aussi. Je sais pas. Alors, le coffre. Comment... Ah oui. Bon, un bonus aussi, ça c'est plutôt pas mal pour débuter. Ah oui, je suis là en bas moi. Chapitour. Oui, oui, je sais, il a tout pété. Attends un peu. Ouais, là il y a un truc là. Mais je sais pas comment on fait pour la table, je m'en rappelle plus. Ah, mais j'ai perdu toutes les pièces. Je crois qu'elles restent, moi. Mais merde, je les ai vraiment perdues là. Hein. Et comment on fait pour débloquer le. Faut que je trouve.
Attendez. Je dois toutes les allumer. Non, ça n'a peut-être rien à voir. Hein. Est-ce qu'elle reste tout allumée au moins? À chaque fois. Il y a l'air qu'elle soit tout allumée toujours. Il n'y en a pas d'autres? Non, c'est pas ça. C'est bizarre, je sais plus comment on fait pour atteindre. Je pensais que c'était ça le truc. Il n'y a rien d'autre. Bon bah ok, tant pis. Allons-y. Bon, moi ils ont la lumière. Hein. Le patron avait raison quand il disait qu'un moustachu à casquette viendrait se mettre dans notre patte. Qui on est? Quelle question, un clink-toi devant les maîtres de la noce. Ordonnateur du fastueux mariage. Découvre-toi devant les Broodles. Maintenant qu'on a notre trésor, on n'a plus rien à faire ici. À part une petite formalité. Je te fais ramener ta casquette, Minus. Viens donc voir par ici. Ça commence bien. Ça à faire, c'est pas trois fois qu'on doit les toucher normalement comme dans tous les Mario. Bon, et ben voilà, on a déjà fait le premier, c'est le monde des chapeaux, oui. Le pays des chapeaux. Waouh, super Mario Odyssey, splendide. Alors, pays des chutes, territoire, théropode. Ah oui, il y a le T-Rex ici. On a le fameux T-Rex. Ok, c'est parti. Alors, sur une électrique, ça retourne. Il doit y avoir un vieux vaisseau dans les parages. Partons à sa recherche. Ok. Bon. Non, 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 non. C'est déjà pas ça. Je suppose qu'il y a quelque chose là-dessus. Même pas. Bon, c'est pas grave. Alors, un petit checkpoint là. Et là, bien évidemment, on a une lune. Il faut que j'attrape ce truc là.
Voilà. Et voilà. Notre première lune. Padabadam. Ah ouais, il y a des pièces... Les pièces violettes à ramasser. Multilune. Ok. C'est pas la lune, il faut pas rêver, mais on peut arriver en arrière, vu toutes sortes de trucs avec cette petite chose. Bon. Bon. Là, on ne sait plus rien faire ici, je crois. Pour l'instant. Ben voilà. Voilà l'Odyssée. C'est le vieux Raffio qu'on cherchait. Il y a un petit air de fossile, mais c'est parce que c'est un ancien modèle. Je suis sûr qu'on va réussir à le faire voler. Allons-y. Et la première lune est dedans. Oula. Ça démarre pas, on doit manquer d'énergie. Ben oui. Il y a peut-être des lunes de puissance à grappiller dans le coin. Allez, c'est parti là. Et c'était quoi ça? Oh non. Je l'ai eu? Ouais. Ah bah en voilà déjà, les trois premières, il y en a 50, d'accord. On en a là-haut. Ok, je n'en vois pas d'autres. Notre ami T-Rex est là, bien évidemment. On va aller le chercher, mais d'abord, il y a, je sais où il y a une lune. Excusez-moi parce que le son chez moi il m'éclate les oreilles. Faut que je chope celui-là. Il y en a là je crois, non? Voilà. Ah j'ai quand même de la mémoire. Non! Ah si. Voilà. Ok. Bon ça va, il en faut que 4 ici. Je sais pas où je vais. Bon j'imagine qu'il y a un truc caché là derrière. Parfait. Ah, comment on fait pour tourner sur soi-même? Je ne sais plus. Truc de voyage, lancé circulaire. Oui, il faut que tu me montres. Vous êtes entouré d'ennemis, vous ne savez pas quoi. Où on doit mettre la tête. Incliner la manette pro sur le côté pour effectuer un lancé circulaire. Balayer tout autour de vous. Quoi? Non, ça marche que dalle. Incliner la manette pro, mais vers où? Je sais pas comment on fait. Incliner la manette pro, je comprends pas.
Je sais pas comment on fait. Bon, ça m'a saoulé. Tant pis. Ok. Je sais plus où on doit aller. Oh bah ça commence bien. Bravo. Ma grande précision des sauts. Il y avait rien d'autre là. Par contre, toi, viens un peu ici. Non. Voilà. Ça, c'est parfait. On va passer en 2D. Ok. Il n'y a rien d'autre dans le coin là. Je crois qu'il y a une lune aussi dans le truc en 2D. Ça, ça casse. Non, pas du tout. Ah, il y en a là-haut. Ah, ok. Ok, c'est bon. Ouais, là-dedans, je crois qu'il y a une lune quand on passe sur le côté, il me semble. Oula, retour dans les années 80. Ah bah ça commence bien, bravo. C'était pas là derrière qu'il fallait passer. Si, il y a une lune, on la voit. Mais c'est de l'autre côté à mon avis. Mais... mais enfin non, c'est pas possible. Mais je sais pas repartir dedans. Comment je fais pour passer sur le côté? C'est pas par ici? Et merde. Non. Putain. Mais putain, casse-toi. Ah non, mais il va me saouler là. Eh, il va tout le temps rester devant. Voilà. Ah mais moi je veux pas aller là maintenant moi. On va aller chercher le T-Rex. Tiens, comment on fait pour sauter sur sa casquette? Il faut la maintenir. Je sais pas. Tiens, c'est incroyable, je sais plus rien faire. Parce que ce saut là, j'en ai besoin. Hein, bon, on peut tout